Je m'appelle Clayton Jérôme, je suis directeur de l'entreprise JTR, JTR SARL à Genève, que j'ai créé en 2017. Je suis opérateur à l'année sur une JCBI de Radig. Je renforce surtout les équipes des grosses entreprises de BTP ici sur Genève, en Suisse. Alors, j'ai choisi la JCBI de Radig parce que c'est la seule pour moi sur le marché dans la gamme 11-13 tonnes qui est la plus compacte. C'est la machine qui a le plus de visibilité de toutes les machines sur le marché. Son silence à l'utilisation, ses consommations très basses et l'esthétique, très très belle machine. Pour moi, la meilleure machine du marché, 11-13 tonnes à pneus. Ici, nous sommes sur un chantier, sur une nouvelle construction où l'entreprise réalise un nouveau lotissement de logements, parce qu'il y a un énorme manque de logements sur Genève, en Suisse. Et donc à la base, on était sur un champ complet, il n'y avait rien du tout. Et en fait, on va créer l'ensemble d'une petite ville. Avec l'Hydradig, je fais en moyenne entre 8 et 10 heures par jour. Elle a 4 ans et déjà 6200 heures. Ah, les travaux qu'on utilise avec la JCBI de Radig, c'est de toutes sortes. On peut faire du collecteur jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50 de profond, sans problème. Elle a assez de force pour lever les blindages, les glissières, les différentes glissières, les différentes sécurités. Elle est tellement polyvalente qu'on a du mal à rester sur un poste de travail à la journée car nos équipes nous demandent beaucoup de soutien, beaucoup de... Il faut toujours se déplacer pour aller chercher, parce que les Dradig, on peut aller chercher un peu ce qu'on veut tout seul sur les chantiers, on se déplace, on peut prendre les fourches, aller chercher ce qu'on a besoin pour les équipes au sol. On aide énormément, je dirais qu'on aide 50 à 60% plus les personnes au sol qu'une machine traditionnelle. La JCBI Dradig est l'une des plus polyvalentes aussi, parce qu'elle est très compacte, très stable, et grâce à son bras qui est très fin, on arrive plus ou moins à passer partout. Une fois qu'on a rentré les roues, on peut travailler dans tous les endroits exigus, là où vraiment il y a très peu de place, en ayant toujours une visibilité sur le personnel, sur les collègues qui sont autour de nous, quasiment à 360 degrés. Et il n'y a que sur l'Hydradig qu'on retrouve ce genre de prestations. Donc j'utilise un rototilt de la marque Kinshofer, Nox, le TR14, avec une pince à tube. J'ai différents godets à talus, mais j'ai tous mes godets sont équipés de lames pour éviter d'abîmer les réseaux. Je n'ai aucun godet avec des dents, par sécurité quand on est à la creuse. Et avec les fourches, c'est une gamme assez complète. Les fourches s'accrochent aussi sur la lame arrière de la machine pour pouvoir manutentionner en même temps avec la pince. Alors j'ai choisi la marque JCB parce que c'était la seule sur le marché. C'est la seule qui sort du lot. Jolie machine, polyvalente, on y revient, stabilité, consommation, enfin écologie aussi, hein, c'est important sur les chantiers maintenant. Et je trouve que c'est une machine avant-gardiste. C'est quand même la seule machine où ils ont centré le poids sur le bas de la machine, donc on a un centre de gravité très bas. Alors la visibilité de l'Hydradig, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que quand on est sur les routes, sur les réseaux ou sur des chantiers comme ici, on a souvent des collègues qui sont derrière nous, ou à côté de nous, à genoux parfois, dans les tranchées. Et avec l'Hydradig, on arrive à les apercevoir à 360 degrés, sans avoir de caméra. Il suffit juste de tourner la tête et on voit tout ce qui se passe autour de la machine. Ah, pour les déplacements de JCB, moi je me déplace que par la route. Je ne prends jamais de porte-engin ou quoi que ce soit. Je charge mes godets, j'accroche mes godets sur mes fourches à l'arrière, sanglées. Et avec une vitesse de 40 km/h, ça me permet ici sur Genève de quasiment couvrir une bonne partie de Genève. Alors le live link, je l'utilise couramment, tous les jours, pour les consommations, pour la facturation des clients. Je peux facturer à l'heure, à la journée. Je peux sortir un live link, imprimer un live link en fin de journée, à la fin de la semaine ou à la fin du mois pour prouver à mon client que les heures, elles sont réelles. Et pour moi, c'est indispensable. Alors je recommanderais JCB à un ami, et même plus qu'à un ami, je recommanderais JCB un peu à toutes les entreprises qui font comme moi du réseau, du terrassement, enfin vraiment du GC, du génie civil,
c'est polyvalent, c'est rapide dans ses déplacements, la visibilité elle est top, la sécurité elle est top, et puis écologie, ben, la consommation elles sont très basses, donc forcément je recommanderais JCB à qui que ce soit.